Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you, I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle. I think we've seen it all. Just make the call. I'll go running over. We don't need no miracle. It's unconditional. Just make the call, and I'll be Vous nous avez probablement vu se promener avec un petit scooter électrique. C'est merveilleux parce que ici, là, surtout ici, là, on est à l'autre bout de la cour. Fait qu'à chaque fois qu'il faut aller à quelque part, pour sortir, pour aller à la rue, parce qu'il y a une clôture tout le tour, on gaspille du temps puis on vient tanner parce que les chambres de bain sont très très loin. Ce que j'ai fait, je me suis gâté. Quand j'ai lâché mon travail, je me dis, un moment donné, je vais m'acheter ça. J'étais un gars qui aime le skateboard, le longboard. Puis Marie, ben, j'y laisse sa petite trottinette parce qu'on va penser de Nation pour moi aussi. Puis quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça, j'ai dit que ça prend pas trop de place. J'ai dit, moi, je veux certainement essayer ça. Fait que vous allez le voir avec moi en même temps, la première fois que je le rouvre. Ça faisait un bout de temps que j'attendais ça. Fait que voici la petite bébite. Ça a un moteur électrique dans le hub. Ça a un pneu de go-kart. Ça a des touch sensors ici pour la sécurité. Fait que quand il détecte ton pied là, ça veut dire que c'est là que tu peux avancer. Mais ça avance juste avec le poids que tu inclines, ou plus l'inclinaison. Quand tu inclines vers l'avant, le gyroscope le détecte. Fait que c'est là qu'il te met à avancer en avant. Si tu peux même aller de reculons que ça. Ce qui est le fun avec ça, tu n'as pas de télécommande, tu as les mains libres, tu peux filmer et se promener dans les marinas. Fait qu'on va laisser ça demain. Aujourd'hui, il pleut. Fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je travaille à l'intérieur. Avec la nav station, avec l'aide de TIG. On fait l'électricité un matin. On va installer certains panneaux breaker que j'ai acheté. Ça, c'est le breaker panel que je vais changer aujourd'hui. Que je vais mettre lui en remplacement. Puis lui, c'est le contrôleur pour notre inverter. J'ai acheté un inverter neuf, mais évidemment, le contrôleur ne fonctionne pas avec celui-là. Fait que lui, je vais le changer ici. Pour l'instant, c'est pas trop important ces petits fils-là pour les breakers. C'est juste pour mes fans. Je vais les brancher ensemble temporairement pour que les fans fonctionnent encore. Ça va me permettre le temps de couper mon trou ici. Puis j'ai le même trou ici sur ce côté-là à faire. Puis comme je l'ai dit tantôt, je vais changer ça. Ça fait un bon bout de temps que c'est là. J'ai regardé le panneau d'origine. C'est marqué 97. Fait que d'après moi, c'est original du bateau. Peut-être le garder comme spare. Un petit peu de tape ici temporaire pour pas qu'on fasse un short nulle part. Surtout que ce circuit-là, il est plus protégé. Il faudrait que je le monte un peu pour que c'est à l'égalité que lui. Je savais qu'il me resterait des petits trous, mais ça, c'est bien dur de trouver de quoi qui fit parfaitement, qui cache tout ce déjà qui est installé là. C'est-à-dire, j'ai fait mon premier point de repère. Là, je pense que je vais utiliser le template. Il reste juste à centrer la distance de mon trou de ce côté-là. Là, le challenge, ça va être de couper le trou ici. Seule affaire que j'ai, c'est une Dremel. Ben, j'ai aussi une Skelsa, mais c'est pas la bonne outil pour la bonne job. Ça va être plus long, mais ça se fait.
l'arrière ici, je l'ai collé avec de l'époxy parce que le trou en arrière était trop grand. Les vis, ils ne réussissaient pas à pogner dans rien. Là, j'ai rempli aussi les trous de vis d'époxy. Je vais les ordriller, puis je vais mettre les vis dedans. J'ai finalement fini l'installation de mon nav station gauche. Là, la grosse affaire, ça va être de ramasser mon bordel. Prochaine étape, je vais aller installer mon AIS. Le S, je veux qu'il aille ici, dans ce coin-là, parce qu'il doit être proche du radio. Notre radio VHF, il va être là, vu qu'il utilise la même antenne qui est sur le mât. Pour le AIS. Le AIS, ça doit avoir une antenne GPS à lui tout seul. Il ne se branche pas sur notre Raymarine, que lui, il a une antenne GPS intégrée. Fait que lui, ça doit en avoir une à lui-même. Fait que ça va être le projet que je vais faire tantôt. Lui trouver une place dans le coin, l'installer, commencer à le brancher. C'est sûr que ce ne sera pas fini au complet parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire dans le panneau électrique avant. Mais au moins, il va être installé. Fait que ça me donne la distance des fils, la longueur des fils que j'ai où passer mon filage aussi. Puis, ça, c'est un adapteur device net à Animeo pour brancher mon radio VHF sur mon Animeo. Ouais. Ça fait 2 ans que je sais où est-ce que je vais mettre mon AIS. Je me suis toujours dit que j'allais le mettre là. Puis là, aujourd'hui, comme toutes les choses, on va jamais selon le plan, je voulais mettre l'AIS alentour, probablement comme ça. Mais mon fil d'antenne est pas assez long. Fait que j'ai recyclé un bout de planche que j'avais dans le bateau. Puis je vais l'installer en haut ici. Dans ce coin-là. Fait que je vais le remettre en haut là. Ah. Donc, s'assurer qu'il va être proche du VHF. Celui-là va aller au VHF. L'NIA, il va aller ici. Lui, je vais le visser en haut là. Mais c'est pas tout ce qui va passer là. Ça ici, c'est notre convertisseur en haut pour l'indicateur de vent. Ça prend l'analogique puis ça le vire en numérique. Puis ça, ben, c'est notre terminaison puis la jonction qui amène toutes aux autres composantes. Dans le fond, je vais en avoir un pour le VHF, un pour l'AIS, puis l'autre pour notre écran. On a un petit écran Raymarine, c'est pour le I70, c'est pour le multifonction. Mais c'est un petit écran qu'on a de ce côté-ci. Fait qu'on va être correct avec nos 3 connexions-là. Fait qu'on va tout faire fitter ça là-dedans. Tout ça sur le fil. En tout cas, j'ai peut-être pas pu mettre mon AIS que je voulais, mais lui, peut-être que je vais probablement l'utiliser pour le mettre là. Et lui, ici. Puis lui, ben, il va connecter dans lui. C'est quand même pas si pire. De courant. Là, je l'appelle tout le temps un numéro, mais dans le fond, c'est du C-Talk. Le fil qui va aller au VHF, l'antenne, l'autre, ça va être l'antenne de GPS qui va aller en arrière, puis on va grandir ici le fil d'antenne. C'est pour aider s'il y a un éclair qui tombe proche du bateau. Je ne suis pas sûr que ça va aider grand chose si l'éclair tombe direct, mais des fois, si ça tombe sur un bateau au côté ou proche, ben, ça peut sauver notre AIS puis le VHF. Je vais me laisser de la place pour installer une petite fuse box ici en bas pour alimenter les autres accessoires. J'en ai 2 grandeurs. J'en ai une plus grande ici. Si jamais en est nécessaire pour alimenter. Ça a fait un petit peu de place pour ça en arrière. J'ai tous des fils de mon stash qui appelle. Parce que le stash, là, je l'appelle de même pour une raison. Parce que ces fils-là, ça vaut de l'or.
quand il t'en manque un, il t'a pas la bonne longueur, là. C'est très dispendu, ces petits fils-là. Raymarine. L'industrie marine tout court, ils savent comment se faire de l'argent avec nous. Ça, c'est sûr. Tu sais, quand t'as un projet que t'as commencé, ça fait au-dessus de 2 ans et demi. T'essaies de te rappeler tout où ce qui t'a mis tes choses, toutes les petites vis à quoi qui servaient. Fait que là, j'ai finalement fini le nav station. Les panneaux droite et gauche sont pas toutes branchées. C'est pas grave, parce que ça, je vais le faire au fur et à mesure que j'avance dans mes travaux. Le but, c'était de monter les panneaux. Parce qu'il y avait le gros des vieilles instruments qu'on a changés. Fait que là, les trous sont à plus de la même dimension. Fait qu'on s'est fait des panneaux pour remplir ces trous-là. J'ai changé les breakers pour mettre ça plus uniforme. Le régulateur solaire, on l'avait changé. Le contrôleur des Anthrax pour l'inverter, on l'a changé. Fait qu'il fallait changer la télécommande. Fait que là, à cette heure, ça c'est fait. Ça fait super clean. Je suis super content. Là, je vais vous montrer le job que je remets depuis un bout de temps que je repousse. J'en ai parlé un peu dans mon vidéo la préparation virtuelle, mais là je vais vous montrer ça. C'est un petit job que ça fait longtemps que je remets.